tout le monde. On était en train de prendre le petit déjeuner ce matin, juste là. Et il y a un fermier qui est passé avec toutes ses chèvres invitées normalement à boire le thé et je crois à manger aussi chez lui. Du coup, on les entend revenir. On va le suivre normalement. Donc c'est cool, on va essayer de filmer un peu sans être trop intrusif. Non. Ça fait quelques jours qu'on traverse des petites campagnes comme ça en Turquie et on se tâtait de devenir fermier pendant quelques jours. Et là, tombé du ciel, alors que nous étions sur notre petit spot tranquillou, on a Mustapha qui est passé par là avec tous ses moutons. Et il nous a invités, ça s'est fait comme ça, et il se trouve qu'il est éleveur. Je crois qu'il a aussi notre maison, on va y aller tout à l'heure, où il a des plantations de l'agriculture. Quoi. On va aller chercher des petits fruits. Du et coup, on lui a comme... Oula. Vite. Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Oh, ils l'ont défoncé. Lequel? Bah le petit, là, ils étaient les deux sur lui. Il y a une petite bagarre de chiens, je suis désolée. On était un peu interrompus, là. Parce qu'ils ont... Enfin, il a une dizaine de chiens et c'est des chiens qui sont censés protéger donc les moutons et qui se bagarrent avec des loups. Donc j'imagine qu'entre eux, c'est pour les, ça qu'ils... Les chiens, ils sont énormes. Donc ouais, déjà, ces chiens-là, ils se battent avec les ours et les loups. Donc quand ils se battent entre eux... Ouais, j'imagine que c'est pas beau à voir. Bref, donc on a eu une petite frayeur. On était où? Oh, j'ai la main qui tremble et tout, quoi. Je sais plus. Du coup, oui, bah, on a demandé pour rester là. On va rester là quelques jours. On va essayer de vous filmer la journée type. Ouais. Oui, ouais, déjà, on voulait faire ça. Donc ça, c'est cool. On lui a demandé si on pouvait également filmer. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc on va pouvoir découvrir une journée... avec Mustapha. Dans la peau de Mustapha. Donc c'est cool. Et il y a un ami à lui qui est arrivé, et donc on va tous manger ensemble. Afiyet olsun Türk. Afiyet olsun. Abi buyur afiyet olsun. I know this. Afiyet olsun. Peux-tu te présenter? Mustapha Kurt, yaş 36, babam mesleği, hayvancılığı babam vefat etti, hayvanlarla uğraşıyorum. Ömrüm. Mustapha, depuis combien de temps tu es ici? 36 yıldır buradayım. Annemden doğdum doğalı, kendimi bildiğim bileli. On est en train de se changer, parce que du coup, comme on vous a dit tout à l'heure, si on a bien compris, il a une deuxième maison. Il y a des fruitiers, je crois qu'on va cueillir quelques fruits. Il veut quand même nous montrer aussi la maison, et comme nous, on lui avait dit qu'on voulait acheter quelques petits trucs, au supermarché, bah rien que parce qu'il nous a... enfin, il accepte qu'on reste ici. On veut lui faire les courses pour ce soir, pour manger tous les trois. Et prêt pour y aller. Il y a l'autre con qui arrive, donc je vais tout arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Vite, tu sais, s'il y a un loup qui m'attaque, tu sais ce que je fais? Vas-y, dis-moi. Je le poignarde. Ah ouais? Ah ouais, j'en suis sûr que tu vas t'en sortir. Tu penses? Ah oui, c'est tu sûr. Penses qu'il vaut mieux que je l'attaque à la patte de derrière? Non, c'est à la carotide, t'es con, quoi. Ah, je vais me battre avec le dindon. Ah,
j'ai peur. Finalement, j'ai peur. Fais pas le fou. On est en route avec Mustapha, Victor, pour visiter donc la deuxième maison que Mustapha est là. On a laissé les moutons et on est arrivé à sa deuxième maison où il a les arbres fruitiers. Et là derrière moi il y a des cerisiers remplis. Je vais me faire péter le bide. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de fruits ici? Burada meyve türü olarak şu an için dut, kiraz, sonra üzüm, şeftali, elma, armut, ondan sonra ne var? Ceviz var. Ça en fait beaucoup là. Ceviz var. Pour le moment la cerise, des mûres, la pêche, le raisin, la poire, la pomme. Wow, good. All. C'est le paradis. Je vais rester là 2-3 jours, je pense. Qu'est-ce que tu fais là? Et t'arrêtes de voler les cerises. Allez, viens. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Victor, lâche-moi ça. Je vais grimper. Il m'a montré son réservoir d'eau. Donc j'imagine que c'est la récupération d'eau de pluie. Et il a fait une liaison pour que ça arrose toutes ses plantes. Et il m'a dit également qu'il se baignait dedans, ma foi. Arrête. Pourquoi tu amènes les animaux dans l'autre maison l'été? Çünkü burası kıyazın sıcak oluyor. O yüzden serine çekiyoruz. Parce qu'il fait chaud en été. Il fait plus froid, on est un peu plus haut. Nous restons sur le plateau jusqu'à l'automne, puis nous atterrissons ici. Salam. On m'a dit qu'en hiver, il est fait venir ici pour être à l'abri. Mustapha, t'as jamais vu ça? T'es prêt? Mozolak. Oh, güzel. On a bakayım biraz da. Impressionné. Ça arrête jamais de découvrir. Trop mignon. Oh. 160 degrés. Ouais. On est déjà mis au travail aujourd'hui alors que normalement la journée est censée commencer demain. Mais bon, moi ça me plaît. Hein. Je me serais bien vu à la ferme. Moi. T'as une bonne tête de fermière. Oui. J'attends que l'eau arrive. Attends comme ça. Ouais, non, je vais attendre comme ça. Arrête. T'es en train de les noyer là? Oui, mais en général il faut arroser à la racine, c'est un conseil parce que quand il fait comme ça et qu'on arrose en pleine journée, il faut surtout pas arroser les feuilles pour pas qu'elles crament. En tout cas, si tu noies les plantes de Mustapha, ah si, ça sent la tomate. Il va te tirer dessus avec le fusil. Oh non, je veux pas ça. Mustapha, il est en train de faire n'importe quoi. Elle est en train de noyer tes plantes là. Yine elemanımız. Ouais, moi je travaille et lui fait rien. T'as vu? Ouais, c'est ça, ça critique après. Il a dit, tu faisais n'importe quoi. Good. Good work. Ouais. Ah, tu vois, c'est good ça. Hein. Good ou more? Soit. Biber. Encore plus, faut que ça s'imbibe. Biber, ça veut dire biber. Là, c'est les aubergines. Arrose les aubergines, s'il te plaît. Elles ont besoin de grandir et après, il change de bac. Faut pas les casser. C'est bien. Je suis en train de décolliner, mais j'aurais bien aimé qu'on me mouille à moi aussi. D'ailleurs, voilà, ça fait du bien. Il fait chaud. Good. Je les laisse bosser. Je vais aller manger des cerises. Bon, ils m'ont pas vu partir. C'est bien, c'est sûr, on va te garder, toi. Je fais l'arrosage automatique. Ça bosse pas trop, là. Si, si, hein. Nettoie l'arbre. Tu genre on goûte tous les arbres. On sort de là, repu. Je voulais acheter de l'eau, mais il nous a dit qu'il avait une bonne eau. Il m'a fait goûter tout à l'heure, en effet, elle est vraiment bonne. C'est quand même cool de récupérer de l'eau comme ça. Elle est vraiment, vraiment bonne. Et elle est fraîche. Et voilà. C'est bon. Tu
les sors deux fois par jour pendant 3 heures, c'est ça? Evet. Ça va, Akşam? Bon, on pensait que le travail commençait à 6 heures, mais là, on va faire la petite sortie du soir avec notre berger. Un bâton? Un bâton, yes, pour me. Putain, voilà. Comment dire? Non, oh non, baby. Toujours la même. Ah, d'accord, oui. Tout putain. Ah, reste là, du coup. Donc là, on fait le travail des chiens parce que les chiens, ils veulent pas travailler, je crois. Partout où passent les moutons, il faut qu'on aille vérifier dans les buissons, voir s'il y en a pas un qui s'est perdu. Oh, la bergère. Oh, on n'arrive même pas à rattraper les moutons. L'autre, elle court derrière. C'est des moutons, on n'arrive pas. J'espère que demain, ça ira mieux parce que pour l'instant, on sert à rien, quoi. Je suis épuisée. Ça y est. Allez les retardataires là. Non mais c'est chien. Oh, c'est à vous de bosser là. Qu'est-ce que tu penses de ce travail ingrat? Ah mais j'ai compris en fait, ça existe pas la sortie du soir. Ils veulent faire comme le petit poussé. Mustapha, t'es où? Bah je crois qu'on est perdu, mais il y a les chiens derrière qui nous suivent alors que on sait pas où on va. Where are you? On est vraiment perdu. Il y a des loups le soir, elle nous a dit. Hein. Donc bon. C'est lui qui a le fusil en plus. C'est lui qui a le fusil. Les gars, on doit aller où? Du coup, on a vu que tu avais 10 chiens pour t'aider dans l'élevage. Mais j'ai l'impression qu'ils travaillent pas trop ces chiens. Ils servent à rien, non? Si. Oui, je pense qu'en fait c'est juste au cas où. C'est plus pour la sécurité des moutons que pour les... guider le troupeau parce que. Va me chercher les deux retardataires, s'il te plaît. Non, mais ça c'est n'importe quoi là. Et le chien il est caché dans le buisson là-bas. Bon, désolé pour la qualité, juste je vous reprends pour vous montrer qu'il fait nuit. On est resté plus de 3 heures je crois à promener les bêtes, je comprends pas. On aurait pu arriver bien plus tôt, j'ai failli me perdre dans la forêt, c'était un peu flippant. Bon. C'est super mignon la nuit parce qu'il a des panneaux solaires et ça éclaire comme ça. C'est l'heure. On n'est pas très matinaux, c'est dur. Mais on y go. On est motivé. Ça va, t'as bien dormi? T'as fait de beaux rêves? Toi aussi? Bien dormi? Ok. On va voir les autres animaux de la ferme. Bah oui, attends. Ça va le coq? Bien dormi?
Oui, bah, ça va. Ça va, ça va. J'ai dormi. Ça va? Bien dormi? Ok. Bien dormi? D'accord. Je prends ça pour un oui. Bien dormi les gars? Ça va? Ça va? Il y en a pas un qui va me répondre? Ah bah si, les dindons. Chut! Oh la cloche là! Bah, ils veulent pas me parler aujourd'hui. Je crois qu'ils me font la gueule, je sais pas pourquoi. Oh là là, il est insupportable celui-là. Ah, belle gosse avec tes bébés cornes là? Oui, oh, Lélé, t'es mimi. Je crois que c'est le chien qui ronfle, je crois que c'était Mustapha, mais. Mustapha, the tea! Je lui apporte le thé. Avec tout ce qu'il nous a fait, le beau. Je crois qu'il dort. For you. Tamam, içeriz. Benim şey yapayım. Dur. Şu ocağı bir yakayım. Ocağı bir yakayım. Yes, but it's for you. Tamam, ben bir şey odun getireceğim biraz şöyle. Odun. Ocağın içine. Odun, je odun. Je toujours rien. Il croit que dans la nuit, j'ai appris la langue. Odun ya, odun, odun. Le dindon. Allez, ramène-moi le dindon, je vais faire sa fête. Le dindon qui se promène, il est à moitié taré, non? Glou 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 glou. Crazy. Oh, on n'est plus maître de sa propre vie. Eh, mais je parle à qui je veux. J'ai envie de parler au chien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Octogone, tu vas voir, toi et moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? D'accord. Si tu le dis, alors. Ça répond 3 degrés. Non, mais genre, bah oui, c'est normal, après les fins. C'est là, tu peux. Pourquoi tu te balades toujours avec ton fusil? Tu me fais un peu peur. Burada, ortalıkta, avum malika, koyunlara salıyor. Lu. Ayı var, ayı, ayı. Ours. Ayı, ours. Ayı, ayı. Yes. Bir. O da koyunlara geliyor. Tu as déjà tiré sur un loup? Evet. Evet. Vurdum. İki tane birden vurdum. İki tane. Deux fois. Deux fois. İki tane. Deux fois. Et c'est quand la dernière fois que tu as vu un loup? Kurdu. Geçen sene. Geçen sene. Burada. İçi? Ha, burada. Şurada. Şurada. Juste là? Evet. Ah, İki tane. İki tane. Deux loups? Evet. Burada. Ah ouais. Après avoir nourri les chiens, puis les humains, il est temps d'aller nourrir les chèvres. Donc on part pour la balade du matin. Là. Il nous a expliqué qu'il y a un bébé mouton qui est juste là, qui s'est déboîté une patte, je crois, si on a bien compris, et qu'il a dû lui faire une injection et lui remettre en place. Mais du coup, elle a du mal à marcher, elle est toujours à la traîne. Et pour la balade du soir, il la sort pas, parce que c'est plus rapide. Et là, il la sort, mais du coup, si elle n'arrive pas à finir la balade, ben, je vais devoir la porter. Pendant que ça broute, on attend. Le baby. Bon,
Bon bah ça y est, elle est fatiguée. Je vais finir la balade avec elle. T'as mal au patoune, bébé ? Oh Patricia, tu t'es perdue ? Allô ? Allez Josiane, on rentre. Allez, allez. Allez. Fin de balade. Allez. Si j'arrive. Tu as combien de chèvres et de moutons ? Pêche. Ah ouais. 500. Et sur les 500, tu les reconnais toutes ? Il y a 500 chèvres, tu les sors deux fois par jour et elles vont n'importe où. T'en as déjà perdu ? Chèvres. T'as combien de naissances par an ? Parce qu'on voit qu'il y a plein de bébés là. 250 comme vous êtes. Ça fait beaucoup. Hein. Tu fais quoi avec les chèvres ? Est-ce que c'est pour les revendre ? C'est pour faire du lait, du fromage ? Ou pour les tondre ? Elles sont grandes. Kebab. Le pauvre. C'est nous. Mon bébé. Okay. Donc j'imagine que s'il y a 250 naissances, il doit en vendre 250 par an. Bon, bah c'est le moment de nous apprendre à traire les chèvres. Je sais pas si ça va être une réussite, on va voir ça tout de suite. Ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il fallait qu'on l'attrape. Chop. Bon, première étape, il a séparé les chèvres des moutons. Et maintenant, il faut attraper la bonne. Vous les voyez derrière moi ? C'est laborieux. Ouais, il a eu. Ah, la pauvre. Tu fais ? Non, merci. Moustapha. Elle. Comment bien ? Bah, je sais pas, j'essaye. Je veux pas lui faire mal, bichette. Je pense qu'il faut appuyer fort. Non ? Fort ? Non, c'est un échec total. J'ai peur de lui faire mal, moi. Alors ? Allez, il faut qu'il y ait au moins un petit jet qui sorte du lait. C'est un échec. Non, c'est bon. Ils l'ont coincé. Gare. Vas-y. Gare. Je lâche, elle ? Ou ça va ? Elle. Black. Allez, dégage. Du coup, t'as pas grossi, hein. Ouais. J'essaie de voir la technique, ouais. À la base, faut vraiment que t'ailles à la base. Si t'y arrives, t'es trop fort. Mais je vais les éclater. Mais non. Tiens. Vas-y, regarde, je vais te montrer vite fait. Je vais essayer. Mais frérot, tu sais pas faire. Regarde. Ouais, mais vas-y. Vas-y. Je sens qu'elle arrive. Ah, un petit peu. Non, t'as réussi. Oui, je sens que ça arrive, je le sens là. C'est assez dur, hein. Est-ce qu'on a été des bons éleveurs ? J'ai l'impression qu'on a servi à rien, moi. Evette. Good. Ouais. Ok, alors check. Du coup, tu nous embauches. Ouais. On a vu qu'ici, tu avais de l'eau potable, t'as les panneaux solaires, panels, t'as des fruits, des légumes. Tu fais ta sauce tomate, ton fromage, t'as besoin de rien en fait. Voilà. Tu es autonome. Autonome, ah oui. Bayana et Tiajimar, Bayana. Ici tu es heureux du coup. Evet. Good. Good. Good life. Fini, bravo. Thank you.